puisque vous nous le proposez, on va lire encore, enfin on va voir un extrait de Ferry pour une autre fois. Oui. Donc en fait, tout à l'heure on a entendu Michel George Wilson, on va écouter un autre très grand comédien disparu, Michel Vitold, qui lit ici un extrait de Ferry pour une autre fois. Ferry pour une autre fois, c'est vraiment un des chefs-d'œuvre méconnus de Céline. Et là, c'est pas du tout le Céline éructant, au contraire, c'est Céline qui évoque la mort de sa mère. C'est quelque chose de très émouvant et qui est très très bien restitué par Michel Vitold. Les épreuves l'ont cassé, j'avoue. Mais je reviens à ma mère. Je peux pas me faire à cette tristesse. Elle est enterrée Père Lachaise, allée 14, division 20. Je voudrais bien laisser passer juste le temps d'aller voir la dalle. Tout est survenu d'une façon... Elle n'a jamais su ce que j'étais devenu. Je lui porterai un pot de marguerite. C'était sa fleur, la marguerite. Marguerite Louise Céline Guillot. Elle est morte de chagrin de moi et d'épuisement d'effort du cœur. Des palpitations d'inquiétude. De tout ce qu'on disait. Pensez les gens de l'avenue de Clichy, les bancs, l'opinion publique. Elle jamais su ce que j'étais devenu. Nous l'avons vu partir un soir, elle a pris la rue du Rotin, et puis la descente vers la Marque. Et puis, ce fut tout pour toujours. Elle dormait plus depuis des mois. Elle n'a jamais beaucoup dormi. Maintenant, elle dort. Elle était comme moi, soucieuse, trop consciencieuse. Elle avait un petit rire en elle, pourtant. Moi, je l'ai énorme. La preuve dans ce fond de fosse, tenez. Je peux rire quand je veux. Je pense à vous, magique. Comment vous allez tortiller, gigoter, quand jouera la flûte, le petit air d'en haut, que vous connaissez pas encore. Le rire, c'est en soi où il n'y a rien. Je l'ai vu rire, moi, sur des dentelles, sur les malines, les bruges, des finesses araignées, des petits nœuds, des raccords, ma mère, surfile, qu'elle se crevait les yeux. Ça devenait des dessus de l'immense, de ces paradis à coquettes, de ces gracieusetés de dessin, de ces filigranes de joliesse que personne maintenant comprend plus. C'est en aller avec l'époque. C'était trop léger, la belle. C'était des musiques sans notes, sans bruit. Pour l'ouvrière, c'était ses yeux. Ma mère, c'est ainsi.